Star Academy, Carla et Paola brisent enfin le sur les réseaux sociaux après leur élimination. Elles auraient rêvé de continuer à briller au château de Damarililis, mais le public en a décidé autrement. Ce samedi 5 novembre, après une soirée exceptionnelle placée sous le signe des duos, Carla et Paola se sont inclinées face à Sienna et Léa, qui avaient fait l'unanimité grâce à leur reprise de « Quand on n'a que l'amour ». Plébiscité par le public et les professeurs. Difficile pour Carla et Paola de faire le poids malgré leur tableau sur mesure imaginé par Yann et Marshall. Alors que les deux chanteuses ont eu beaucoup de mal à accorder leur violon cette semaine pour leur prestation. La première reprochant à la seconde son manque d'implication et de motivation à l'approche du prime. J'ai l'impression que tu baisses les bras, j'ai l'impression que tu te plains. Et ça m'énerve. J'ai l'impression que t'as abandonné et que dans tous les cas on se fait éliminer. Arrête de dire que tu n'arrives pas. Tu vas y arriver et tu vas le faire, avait asséné Carla. Fortement agacée par le comportement de son acolyte. Éliminée à l'issue d'une soirée riche en émotions, Paola et Carla ont brisé le silence quelques heures plus tard sur leurs pages Instagram respectives. Des messages très attendus par leurs fans. Voilà l'aventure Star Academy s'est terminée pour moi hier soir avec mon binôme d'amour. Je redescends doucement de ces 3 semaines magiques au château de la Star Academy qui m'ont fait grandir humainement et musicalement parlant. J'ai rallumé mon téléphone ce matin et je suis tellement surprise de voir tous vos messages de soutien et votre bienveillance envers moi. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour Paola et moi hier soir, malheureusement ça n'a pas suffi mais je suis fière et heureuse d'avoir vécu cette aventure et d'avoir appris énormément sur moi. Bravo à mes beautés Léa et Sienna qui ont assuré sur ce prime ainsi qu'à tous les autres qui ont fait le show. A écrit Carla, en légende de 2 clichés souvenirs pris à l'intérieur du château. Une émotion partagée par Paola, qui s'est quant à elle montrée plus brève dans un message également partagé en story Instagram. Je vous lis depuis hier et je suis tellement touchée par tout l'amour et le soutien que vous me donnez. Virgule Star Academy est fini pour moi mais ce n'est que le début d'une belle histoire. J'ai hâte d'écrire cette nouvelle page à vos côtés, a-t-elle écrit. Adieu le château. L'histoire commence maintenant pour les 2 anciennes élèves.